Codevin, tu as gagné, tu as gagné, tu as facilité, et comment il a conseillé pour rejoindre des avantages en dehors de nos mieux, et il a montré qu'il a gagné corruption et recommandation en rapport à, et non d'accord avec lui, ouais, et que il a demandé pour poursuivre mon yo, et même et Raoul tout. Pour qui ça? Parce que on parle du traitement de faveur et que Raoul pas doit faire, pas doit accepter ça. Et conseiller de bénéficier lui. Et bagay la vie facilement, je pas entendu sous prix. Et c'est ça que fait. Et Raoul pas payé. Normalement, Raoul, si vous avez entendu sous montant, ni moi-même, ni moi-même, société n'a pas la prendre. Ça veut dire que. Et demander pour poursuivre Raoul Tou, son bon bagaille. Et rapport ça, et montrer que Jean conseille et avili et la présidence, et que yo nan corruption, yo fait pour yo payer pour ça, et yo pas gagné l'autre bagaille, c'est retiré comme dans le conseil là, et nous demander pour l'autre conseiller yo pas siéger avec yo. Et comment un mécanisme remplacement puisque eux même là ils dit ils pas font pas quitter on pas na go. Bon, et c'est pas eux même qui te mettent tête au côté hier. Et lui certain que et c'est et international la communauté au côté hier et particulièrement CARICOM avec américain yo. Et c'est mon qui te mette là qui a mette là, qui a mandé pour démissionner. Afin que je ne dis pas qu'il ne va pas aller à l'école et son radot. Parce qu'il ne va pas mettre tête. D'accord? Comme qu'on nous. Nous connaissons un monde qui lit bien dans les fins. Est-ce que quelque part ou assimilé ce petit rapport avec convocation et ministre Affaires étrangères devant CPTA, gain de rapport à votre. Non, aucun. Zéro. Et société a été connue depuis plusieurs semaines, rapport pour le sortir. Pas aucun rapport. Gouvernement pas aucune implication dans la publication rapport. Donc, dans ce sens, ou quoi c'est. Gouvernement pas aucune implication dans la publication rapport. Ok. Alors là, on pense que l'entité qui était vous et monsieur dans le conseil là, donc de remplacer au plus vite, c'est ça? Oui, mais l'autre bagaille, tout si vous pas remplacer, c'est bon problème, parce que le conseil a déjà dit beaucoup de monde, écoutez l'État et trop court. Donc, si vous pas remplacer, c'est pour responsable qui était ou qui pas impliqué dans ce scandale-là, le conseil a fonctionné. Je rappelle rapidement, dans ce rapport d'enquête, l'ULCC a fait des recommandations administratives en plus des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord 1. La mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Louis Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et coactives sont conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014. Portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonique Léandre pour instigateur de versement de pots de vin fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour les faits, ce conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivant de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. À présent, le protocole va conduire le directeur général à son bureau pendant que chaque journaliste recevra un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête. L'ULCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ses rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande d'un traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'ULCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Ça qu'a passé aujourd'hui, c'est un événement historique. C'est un signal fort qui montrait que Haïti demeurer et rester un état de droit, qui donc personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas piwo ni en les têtes la loi. L'ULCC a continué sans arrêter, avec même énergie, en traquer tout corrompu à tout corrupteur. Du haut de nos 20 ans, des 20 ans de l'institution, l'ULCC assume sa part. We'll be right back.